Saponotus gastroi. Emery, 1878. L'étymologie. Camponotus, pour rappel, signifie qui a le dos courbé. Gastroi, les Espagnols disent gastroi, est une transformation latine du nom d'un entomologiste italien du 19e siècle, Raffaello Gastro, qui était spécialisé dans les coléoptères et directeur d'un musée à Gênes. Il aura travaillé essentiellement en Tunisie pour ses inventaires. Emery, le descripteur étant lui-même italien, il lui aura dédié cette fourmi. Pour la France, on ne le trouve qu'en Corse. L'ouvrière. Elle ressemble beaucoup à une petite Camponotus aetiops, mais le clypeus est sans carène et contrairement à Camponotus phallax, il n'y a pas d'échancrure. De longs poils blancs se dressent sur tout son profil. Il y a cette suture au milieu. Et à cet endroit, l'épinotum, la courbure forme quasi un angle droit. La reine. Tout est identique à l'ouvrière pour la tête. Le pétiole est haut et fin. Il se distingue par exemple de Camponotus lateralis plus épais. Le mâle. Pas de chance, je ne l'ai jamais trouvé. Et l'écologie. Les nids sont dans la terre, bien qu'on puisse souvent la voir sur les arbres à la recherche de miella de pucerons. Les nids peuvent être sous une pierre, mais le plus souvent, un simple trou caché dans les buissons du maquis sont les meilleures caches. Quand la végétation est en fleurs, au printemps, les ouvrières chassent les petites proies ou vont chercher du nectar. Elles butinent. On ne la trouve qu'en plaine. Sitôt que ça grimpe dans l'arrière-pays, elle disparaît. Les essaimages sont en juin, discrets.